Bonjour et bienvenue à tous, World War Z vient de sortir il y a quelques secondes et nous allons faire le test de ce nouveau jeu qui m'a beaucoup hypé et donc on va voir ce que ça donne. Hein? Vu qu'on était parti sur les trucs un peu horreur et tout ça ces temps-ci, on va voir ce que ça donne. Le logo en tout cas est vachement cool. J'apprécie l'ambiance. Alors, je connais pas trop les modes qu'on va trouver à l'intérieur. Oui, on va accepter le contrat de licence parce qu'on est très très à fond dedans. Et on va bien voir, en espérant que la connexion au service va fonctionner de base. Ouais. Alors, campagne coop, ok, multijoueur, collection, paramètres. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va commencer la campagne en coop pour aller voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va le faire en ligne? On va le faire en ligne, tant qu'à faire. Hein. On va faire l'épisode 1 à New York. Bon. On va peut-être pas personnaliser. Ah, il y a quand même un truc qu'il faut que je vois, c'est dans les paramètres. Je vais, pense que je vais baisser un peu l'audio du volume principal à 50% à peu près. Ouais, 50%. Je vais augmenter mon casque. Sinon, je pense que vous allez pas du tout m'entendre. Voilà, c'est pas mal. Retour. On a dit campagne coop en ligne et l'épisode 1 New York. Donc, abandonné par les hélicoptères de l'armée qui vrombissent au-dessus d'eux, 4 New-Yorkais n'ont d'autre choix que de combattre pour essayer d'atteindre leur liberté. Des rumeurs parlent d'un personnage louche qui pourrait les aider à sortir de la ville par le métro, moyennant un service. Descendre dans le tunnel ou en enfer. Non, bah on va prendre. Voilà, la descente. Ok. Personnage favori, juste pour voir. Bon, de toute façon, voilà. On s'en fout. On va partir en aléatoire, puis on va dire qu'on est. On peut changer de classe. On a quoi comme classe? Fantassin. Des mineurs. Agent d'appui, suriner, troupe de choc, hachoir, maître assassin, tête brûlée, cartouchière, incendiaire. On va prendre le fantassin de base. Hein. Tête chercheuse, masque de guerre. Et oups, ouais, on va prendre un fantassin de base. De toute façon, c'est pour le test pur. Hein. Le jeu vient à peine de sortir. J'ai absolument rien suivi. Alors. Non, parce que c'est le même résumé que tout à l'heure. Alors, les tirs à la tête tuent la plupart des zombies instantanément. Ok, très bien. On n'est vraiment pas du tout dans l'explication du game, hein. C'est la pure découverte, je suis là avec vous. On est parti directement, c'est la folie du slip. Taille au taille au messire. Bon alors j'aime bien l'ambiance déjà hein, au niveau des musiques, au niveau du menu, c'est assez cool. Même si bon c'est assez basique, on est d'accord, mais ça donne une bonne ambiance. On va essayer de pas trop se faire killer d'entrée. Je me suis chauffé sur un autre FPS en attendant. Donc on va bien voir. Oh, le chargement est un poil long. Bon, ça va encore, mais c'est pas la folie. Ok. Donc il y a du monde un peu partout. Ça trace l'entrée. Là, c'est la visée. Il y a un bouton pour la course. Ça s'est changé de côté, ok, on est presque dans Star Wars en fait. On peut passer en mode. Non. Là, on peut soigner le gars. Carré, ça prend rien. Rond, ça prend rien. Triangle, ça prend rien. X. Avec quoi? C'est arme secondaire. Pistolet, ok, je veux bien. Et comment je change pour l'arme secondaire? Ok, triangle. On va prendre le pistolet à silencieux. Je croyais que dans ce jeu, le but c'était d'être le plus silencieux possible, les mecs. On est déjà bien parti.
Ok, attends, l'ambiance en tout cas, moi je trouve ça super cool. Donc on peut faire quoi? On peut venir checker des armes différentes. Ok, well. On est un peu dans un mode. Je les suis pas du tout, hein. Je suis désolé les mecs que je suis pas. Mais je regarde un peu, je check. Hein, franchement. Alors, le mec il a engagé là-bas. Je sais toujours pas quel est le mode courir. J'ai pas envie de tester un truc pour rien. Ça, c'est bien les découvertes de game quoi. La première fois que tu fais un game. Faire le plein de munitions. Ok. J'avais déjà une trousse de soins. Un fusil à pompe. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une petite mitraillette. On va prendre un fusil à pompe. Non, je voulais le fusil à pompe, moi, ouais, mais c'est pas grave. Voilà, on fait le plein de mun. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Faire le plein de grenades à fragmentation. Ok. Bon, bah si tout le monde y va, de son. Oh putain! Le shoot que je jouais tout à l'heure, c'était moins. Je sais pas si je dois défendre la zone ou s'il faut que je me bouge. Bon, j'ai défendu la zone tout seul. Merci les gars. Recharger l'arme, c'est ça, ouais. Ok, donc dans l'ascenseur. Eh les mecs, on peut pas sauter. Ça c'est pas courir, ça c'est recharger, ça c'est changer d'arme. Ça c'est quoi? Ça c'est... Suivez-moi, refusez, ok. Ok, donc ça c'est les emotes sur la croix. On a déplacé à gauche, visé à droite. Le viseur, c'est le L2 bien sûr. Le R2 c'est tirer. La grenade, c'est le L1. Et ça, c'est... Je ne sais pas. D'accord, c'est viser et faire des conneries. Super. Et le R1, c'est quoi? C'est l'arme. Ok, donc je vois pas le mouvement visé. Le push R3, L3 ne fait pas viser, ne fait pas courir. Sancho. Ok, d'accord. J'ai pas besoin, j'ai un fusil à pompe. Ça c'est quoi? Faire le plein de grenades de fragmentation, ça tombe bien, j'en ai lâché une. Ok, je me... Putain. Va te faire enculer toi. Ça prend quand même du temps hein, d'aller chercher de la... des choses. Ils viennent par où? Ah, oh, ils viennent dans mon dos ces enculés. Bon, on est dans la mission 1, franchement, même si on fait les cons avec le bruit, je pense que ça devrait jouer. Je veux bien couvrir ici. On a un objectif de mission, non? On va essayer de rester avec les autres quand même. Ouais, bien joué. Attention, lui, il est radioactif, je crois. Ok, on s'en est fait baiser un d'entrée. Putain, il a plus cher, lui. Bon, là, c'est la merde. Je vais bien descendre ceux qui sont proches. Oh là là là, ouais, ouais, c'est vrai, fusil à pompe, ça se recharge. Hein.
Ah putain, c'est quoi que j'ai pris? Je crois qu'on a un peu fait les cons, non? Oh putain, c'est abusé. Shut down the screamer, mais il est où ce connard de screamer? Moi je veux bien shut down the screamer. Oh putain. J'ai plus de cartouches, je pourrais pas tenir longtemps là. C'est vraiment la déchéance. Je piche que dalle, mais c'est vraiment la déchéance. Ça fait un moment qu'ils nous disent shot the screamer. Fallait juste pouvoir le trouver. Ça, c'est un autre problème. En tout cas, c'est bien bourrin de sa maman. Oh, j'ai vu, il y avait un truc. Qu'est-ce que c'est? Voilà, une arme lourde, c'est bien. Là, on change pour l'arme lourde, ok. Voilà, on n'a pas beaucoup de mine par contre. Hein. Est-ce qu'il y a moyen de recharger sa mine quelque part? Faire le plein de grenades à frag, c'est bien ça. Faire le plein de munitions, c'est très bien. Utiliser la trousse de soins en bas. On va s'en faire une. Nickel. Il n'y en avait pas une en réserve. Non, c'est juste les munitions et les armes. Ok. Putain les gars, calmez-vous. On va recharger ça. On va recharger ça. Ok. Chelou. Ah, là on a une trousse de soin, je la récup. C'est quoi ça, c'est? Fusil de combat principal, on a déjà. Mune, on a déjà. Y'a pas de body par contre, hein. Zéro body, hein, dans ce game. En tout cas pour l'instant. Je comprends pas qu'il y ait pas de bouton sauter, quoi. Ça me... Ça c'est se baisser. Se lever, laisser appuyer, ça change rien. Appuyer plusieurs fois sur X, ça change rien de chez rien. Qui c'est qui a ouvert le feu? Ok, là, une putain de balise. Du coup ça fait quoi? Ah mais non putain, ça c'est chaud ça. Je vois pas. Y a une ou deux options, je vois pas comment ça va se faire. Si j'appuie sur les deux en même temps, non ça change rien, là je sens juste de côté. Ok, commencer le combat à la porte. Ça se saisit, non, ça se saisit pas. Défendez la position. Attention les mecs. Ok. Ça vient de là-bas. Ici on a des options en l'air si jamais.
Putain, c'est quoi ce délire? Oh, tueux de Dieu, quoi. Ouais, je vous laisse ouvrir le feu. Moi, je préfère garder de la mine pour après. Au pire, on peut utiliser le petit flingue un petit peu, si vous voulez. Je vois pas mon viseur. Ils viennent par derrière. Bon, pour l'instant, payer le petit flingue. De toute façon, ils sont pas encore proches. Je préfère utiliser mes flingues, mes munitions de petit flingue. Voilà, on va changer de flingue. Ferme ta gueule. Comment ça t'es pas mort? Ah oh, si t'es mort déjà. Je dis un zombie t'es pas mort quoi, c'est n'importe quoi. Plein de grenades à frag, y'a pas le plein de mun. On va changer d'arme secondaire du coup si on a pas de plein de mun alors. Ah, c'est là-bas la mine, je crois. Non? Ok. Il faut aller vers le point à atteindre, les gars. Faut peut-être pas traîner. Par en bas, par en bas. À sauter, tu peux que aux endroits où tu peux. Trop chelou ça. Oh, hé. Me fais pas péter la gueule. Par en haut ou par en bas? C'est marqué clear the train. Bon ok, je vais l'aider en haut parce que tout seul je suis pas sûr. Ta gueule de chimique. Can you get us to Inwood? For a price. This rabbit hole is chock-a-block with goodies. Bring them to me. À peine caisse de mine. Yeah, fits like a glove. Oh putain! Se dégager de là. Ok. Avec la trousse de soins, elle soigne pas grand chose. On va se soigner direct. Non, non. Je vais me reprendre la mune, s'il te plaît, merci. Ah, il faut se bouger. Allez, venez les gars, faut sortir. On peut ouvrir les portes. Elle est fermée derrière nous.
Ça peut être tactique, effectivement. Un truc de soin, j'en ai utilisé un tout à l'heure, je vais aller le choper. Par où vous voulez aller, par là? Non, ça ne s'ouvre pas, c'est un autre chemin. Putain les gars, vous m'avez laissé tout seul. J'ai aucune idée par où aller. Putain, merde, je me suis perdu. Ok, voilà, c'était ça. Un peu tout seul là, non? Bon, tant que je fais pas trop de bruit. En tout cas, il y en a un du groupe qui a pigé. On devrait pouvoir avancer la quest. Est-ce que j'ai le temps? J'ai le temps. Ouais, j'essaye, je fais ce que je peux. Putain, ah, foutu les boules. Pénétrer dans la rame, atteindre, on est bon. Ça ne marche pas. On peut pas taper avec l'arme à travers les portes. Bon, ça va. On a donc réussi la mission 1. Bon, ça fout quand même bien les boules. Hein. J'ai fait une bonne partie de la mission 1 moi tout seul, je crois. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'était un peu de foutoir, tous dans un coin à chercher des caisses partout. Faut vraiment jouer en team. C'est un truc de team, ça, c'est certain. Ça. À la base, je crois que c'est un des premiers jeux où je vais jouer et laisser mon micro open pour le game. Faut que je tombe. Insecourable, surineur, deuxième. Tueur, dernier. Il y en a un, il a fait que balancer des trucs sur les zombies, ok. Ouais, expert en démolition, survivant, moins de dégâts, c'est moi. Joueur infectieux plus tir à la tête, c'est pas mal. On gagne des points d'XP, boum, on gagne des niveaux. Ok, victoire, performance, grenade à impact, ok, nouveaux équipements. Ici, on fait de l'XP avec les armes aussi. Ok. Ah ouais, alors, faut vraiment sélectionner ce que tu kiffes, quoi. Ok. Donc là, c'est quoi dans personnaliser? Personnaliser des armes.
Donc là, à partir de là, ouais, quand tu as un fusil de chasse, tu peux regarder là. Et tu peux lui choisir des puissances et ouais, des trucs de fou. Ok. Personnaliser la classe. Qu'est-ce que je peux faire? Personnaliser les classes, ok. Donc là, j'ai obtenu quoi? 150 points d'XP. Et je peux me balader où? Ok, donc tout le monde peut apprendre des trucs. Et puis là, artificier. La bonne raison, commencer les grenades à fragmentation. La grenade à fragmentation explose à l'impact. Les grenades à fragmentation peuvent durer, peuvent tuer 25% de cibles supplémentaires. Ok, et puis là, c'est les grenades à impact. Bon. On va pas s'embêter pour l'instant à regarder les points de côté, mais il y a tout un arbre de talent monstrueux, hein, donc. Ouais, putain. Il faut étudier les arbres de talent avant de sélectionner des classes. Masque de guerre, qu'est-ce que ça fait à la fin? Tuer 25 zombies rapidement à la suite, donne un bonus de dégâts de 50% toute l'équipe pendant 20 secondes. Ok, ouais, je vois le genre. Ok, putain. Ouais, ils sont tous prêts, je vais les rejoindre quand même, hein. Et on va faire une autre petite session. On va bien voir ce que ça veut donner. La partie 2 dans le tunnel, qui c'est qui est pas prêt? Ah non, démarrage de la partie, toujours sont prêts. Bien voir la V2 de cette quest. En tout cas, le 1, c'est la bonne mise en bouche. Hein. On s'est pas fait eu, c'était pas trop mal. À un moment, j'étais à gâchette, à fond. Du coup, j'avais plus de mun. C'était vraiment de la dèche. De chez dèche. Faut faire gaffe aux mun. Faut utiliser, je pense, pas mal son arme de cac tant qu'on a. Y a pas de surnombre. En tout cas, le fusil de chasse, ça dépote. J'ai bien kiffé. C'est effectivement une arme assez efficace contre des zombies. Je suis tout à fait d'accord. Par contre, c'est pas l'arme qui, je pense, sera utile pour défoncer les zombies spécifiques au milieu du tas. Les gros tas avec leur masque en verre, là par contre j'ai pas compris, je les ai eu plus facilement, enfin je sais pas, peut-être qu'on était plusieurs à tirer dessus je pense, mais je les ai eu plus facilement avec le petit flingue silencieux à la con, et j'ai eu beaucoup plus de peine avec le fusil à pompe, ça ne faisait quasiment rien. This can't be good. I don't trust this psycho. Roy! Roy, open up! Open the door, you twat! Roy! Ok, donc là par contre, on se retrouve de nouveau avec le stuff de base. What's going on? Well, it appears my associate on the other side of this door is either passed out drunk or deceased. We'll check it out. Stay on the radio. Slow and silent. Ouais. We ain't alone. Ouais, c'est ça le truc, putain, too much noise, ils arrivent. Arrêtez de faire les imbéciles, un coup de flingue à la con. Ça, récupérer des munitions. Là, la dèche. Sans les gros packs de mun posés au bon endroit, ça va être plus la dèche, effectivement. On cherche l'ami. Switch. Somebody here.
sais pas trop ce que je suis en train de foutre ni où je suis. Je pensais trouver 2-3 munes ou un truc. Il n'y a vraiment rien hein, dans ces trucs. Ah, ça sert à chier comme je me bats. Oh non! Rester à distance de ce machin. Putain, j'en prends cher là. Putain, j'ai eu un coup de stress. D'Adèle. C'est les mecs qui trouvent tous des trucs quoi. Assemblée. Bon, en tout cas, on peut indiquer les trucs et poser les indications. Stevie. We're in some main room with tracks. Oh, my little hatchlings have reached the sea! There are two control rooms here. Use the one on the right. The tunnel door is opening. Hold the ground, people! That noise is gonna bring a storm. Bon, là c'est la dèche. J'ai plus beaucoup de mines, avec ces petits flingues en tout cas. Je vais être obligé de passer à l'autre. Il y a du ravitaillement ? Ah ouais, il y a du ravitaillement, c'est bon ça. Faire le plein de gre-gre, faire le plein de mines. Perfect. Bon, pour l'instant, je garde mon shotgun, même si... une arme lourde. Et non, et je t'ai pas demandé ça. Pourquoi je peux pas prendre l'armée lourde? Voilà. Putain, comme je suis à chier. Bon, ça c'est vraiment une arme de merde. Ils m'ont laissé quoi? Non. Voilà, ça c'est mieux. Bon. Tu veux pas changer de mode? Je prends 2 minutes à l'abri pour me soigner. Voilà, on est pas mal. De toute façon, il y en a plus par contre. On en profite pour faire le plein en attendant qu'on est là. Tas de cadavres, mon gars. Get the other door open for me.
drive the train. Yours is to push buttons. Maybe the vents are connected. I'm gonna take a look. Je suis paniqué par le fait de ne pas avoir de mine. C'est vraiment. Mais l'ambiance est vachement bien. Je suis vraiment très 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 fier d'avoir acheté ce jeu. Et d'y jouer en ce moment, c'est vraiment de la bebon. C'est trop cool. Même si ça me fout un putain de stress. Je pense que pour l'ouvrir, il faudrait une autre arme ou un type de perso spécifique. There's a switch right here. Is this a train station or a nuclear bunker? We got a creep. Got the creeper. Ah, on est bon. The lower level is filled with gas. Oh, hey, fais pas tout péter. We can climb over it to get inside. Je suis en train de défoncer la gueule. Pistolet mitrailleur secondaire, ouais. On va prendre ça plutôt. Comment est-ce que je m'en débarrasse? Ah, je m'en débarrasse pas en fait. Impossible. Eh les gars, ils m'ont laissé derrière. Incroyable. Ça y est, c'est mon tour. Impossible de valider quoi que ce soit. Je ne peux rien faire. Pas moyen de me déplacer. Ce truc il m'a sauté à la gueule, ça m'a foutu trop les boules, laisse tomber. Et les autres vont me laisser là quoi. Ah. Merci. Thank you. Une trousse de secours, ça j'en ai plus. Parfait. Creeper neutralized. Putain, le lance-roquette quoi. Moving
Putain de merde, je suis en train de me faire crever moi-même. Ah, puis c'est plutôt la dèche cette mission. Putain, là tout le monde qui est down. Il est pas tiré par moi, parfait. Elle est down là-bas. Elle m'a aidé tout à l'heure, je vais quand même pas la laisser dans le pétrin. Par contre, j'ai plus rien pour te soigner. Je fais ce que je peux. Putain, c'est par où? Ah, je suis en train de me faire crever tout seul, en fait, c'était des monstres empoisonnés ici. On est loin d'être safe. Je suis pas obligé d'aller attirer les mecs, bordel. Ça tombe de partout, c'est ça? J'ose même pas regarder derrière. Bien, faut continuer. Je suis stressé. Allez, faut continuer. On n'a pas le choix. On y est. Oh, dégage-toi en retrait. Viens ici. Putain, les mecs. Oh my god. De soins sur moi-même. On va laisser les autres en prendre s'ils en ont besoin. On va changer pour un fusil d'assaut.
vent leads back to the train. Très bien. Prenez pas les mecs. Wow. Hey, there's a tunnel boring machine next to the train. Turn it on and leave some skid marks. Fire the hole. Keep them off the train. I'm reloading. Big processors powered on. They're climbing up. Merde. Je suis désolé, j'ai pas parlé, je suis hyper tendu quoi, c'est la folie tout ce qui me balance dans la gueule. Franchement, j'ai jamais vu un truc aussi fou. On en est où là? Toi ça va, tu gères, de ce côté là il n'y a plus à grand chose. On l'a eu. Wow. Oh, j'en ai pris plein la gueule. Waouh. Eh ben dis donc, ça fait deux missions réussies. Impressionné. Ah, la deuxième, c'était chaud. Je sais pas, j'ai dû relever deux gars, j'ai dû me faire relever une fois. On a pris un sacré coup quoi. C'était chaud du cul. Rien que la mission 2 quoi. En tout cas, je suis hyper happy. Le jeu est vraiment de la bombe. C'est vraiment trop cool.
Peut-être qu'on fera une autre vidéo sur la mission 3 ou quoi que ce soit. J'ai fait 2-3 absences parce que j'étais trop pris par l'aventure et l'action. Alors, en tout cas, la découverte, elle est faite, hein. On a pu voir le gameplay, on a pu voir plein de choses. Je suis immensurable, surineur. Waouh! C'est pas mal. Franchement, ouais, puis les scores là, comme ça, c'est pas mal. J'aime bien. Expert démolition, absolument pas. Chasseur de tête, absolument pas ce coup-ci. Survivant, moyen, moyen. Explorateur, mais que dalle, mon gars. Ok, bon, paf, ça fait atteindre des niveaux. Niveau 4, voilà. Parfait. Bonus de performance, ouais, super. Sieste éclair, on a obtenu donc une nouvelle position pour notre type. Hop, on a débloqué une spécialisation pour notre flingue de base. On a été un petit peu au fusil d'assaut. Pistolet automatique, on a fait 2 kills, ouais, voilà. Et puis la carabine sportive, on en a fait quelques-uns. Donc il faut vraiment, ouais. Faudra booster un peu toutes les armes, quoi. Vraiment, vraiment, chaque arme a son truc et tout. Donc je vais faire un retour, hein. Je vais les laisser tranquilles. Oui, on va annuler le matchmaking. C'était très sympa de faire une partie avec vous, les mecs. Donc voilà. Donc si je reviens au truc de base, on peut aller bien sûr dans collection comme dans tous ces types de jeux. Personnages. Ici, on a le choix des persos. Donc voilà, on a débloqué des nouveaux persos, hein. Il y en a toute une flopée, les mecs. Pour l'instant, j'étais en pur aléatoire. Voilà, le Yakuz. Le gros black. Le mec de base. Le type un peu futuriste. Le type cool. La Miss Cool. La pseudo-asiate. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, voilà, là, on a des résumés. Je dis vite fait les résumés, hein. On n'aura pas le temps de tous les faire. Hein. J'aimerais bien finir cette vidéo assez vite, mais on a des résumés assez cool de ce que sont capables de faire les mecs avec des belles vidéos. Sympa. Donc on va rester là, hop, sur l'Asiate. Voilà. Je peux faire pivoter, c'est magnifique. On peut donc créer des groupes avec triangle. Ok, donc on peut même faire une belle scène avec chaque perso, c'est cool. Armes et équipements, armes, on va juste voir. Ouais, en fait, y a une chier de trucs. Après, t'améliores, ok. Ah, il est où notre pistolet de base? Et là, il est full équipe. Comme tu le désires. Bien joué, bien joué. Le personnage, j'en avais donc deux. Je sais pas pourquoi ils me les ont mis comme ça. On peut prévisualiser un Banco Tatsumi. Ok, je vois pas pourquoi. Est-ce que y a un petit logo dessus? Armes, équipement, le monde. New York, Jérusalem, Moscou, Tokyo. Ça fait 4 épisodes de base. C'est pas mal. Bon, et puis tout le multi, bien sûr, qu'on n'a pas été voir, hein. Donc ouais, non, il n'y a que personnage et armes. Ok, ensuite on peut changer bien sûr les paramètres, lancer multijoueur et la campagne coop. Ben, nous voici arrivés à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, cette petite découverte de World War Z. Et à la prochaine, c'était Gitaku dans le monde des zombies. Allez, fais-toi plaisir. À la prochaine. Ciao!